l'appelle Lucky Luke de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, oh sacré Lucky Luke. C'est hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Attention, Scraggy, je suis en train de concocter une nouvelle fournée de l'élixir miracle du docteur Doxon. Excusez, Doc. Oh. Oh. Et c'est ainsi que le docteur Samuel Doxey, votre serviteur, met à votre disposition le résultat de 30 années de recherche, l'élixir du docteur Doxey, qui vous rendra instantanément et infailliblement vos forces et votre jeunesse. Je n'y crois pas. Rien ne peut me soulager, oh, oh mon pauvre dos. Observez bien, bonne gens de Green Valley, ce malheureux va vous prouver que je dis vrai. Par ici, mon pauvre ami. Yama! Et voilà, notez l'incroyable transformation, cet homme a rajeuni de 20 ans. Hippie! Je ne me suis jamais senti aussi bien grâce à vous, docteur Doxley. Vous aussi, mesdames et messieurs, faites une cure de rajeunissement pour 25 cents la bouteille seulement. J'en veux une, Dalibandé. J'en veux une, j'ai fait de nombreux choix. Quelle journée, j'ai vendu toutes mes bouteilles. C'est nigaud, j'en veux. Je veux dire, ces braves gens de Green Valley s'y sont vraiment laissés prendre. Grâce à mon petit numéro, hein, Doc? Oui, mais enfin, qui est fort bien payé, n'est-ce pas, mon brave? Tiens, voilà. D'ailleurs, un bon produit, il se vend tout seul. Mais dans ma bouteille, il y avait de la limonade. Allons, chérie, prends ton élixir. Alors, tu ne te sens pas mieux? Oh, mais tu as vraiment retrouvé toute ta vigueur. C'est pas de la vigueur, c'est de la colère. Donne-moi ça. Ce truc est infect. Oh, j'ai deux mots à dire à ce charlatan. Ne nous attardons pas, Scraggy. Allons poursuivre ailleurs notre mission bienfaitrice. Rendez-moi mon argent, imposteur. Oui, ce truc est un vrai poison. Oh. C'est infect. Attrape ça, charlatan. Voyez que c'est des bouteilles non consignées. Et attends, la gratitude est une vertu rare de nos jours. Je te répète, Scraggy, attention au chaos. Mon élixir ne supporte pas les secousses. Ah, oh, et voilà. Des coups de feu, Jolly. Quelqu'un des ennuis. Et maintenant, il voudra y aller voir. Allons-y, Jolly. Ya! Qu'est-ce que je vous disais? Arrête ce chariot! D'accord, docteur! Nous sommes arrêtés, voilà. Nous sommes définitivement arrêtés. Et pour de bon, allez, mon vieux, tire! Des ennuis, l'ami? C'est le moins que nous puissions dire, étranger. Je m'appelle Lucky Luke. Docteur Samuel Doxey, bienfaiteur de l'humanité, mais hélas, j'ai moi-même besoin d'un bienfaiteur. J'ai le remède qu'il vous faut, docteur. Disent contre eux que ce remède s'appelle Jolly. Jolly va sortir votre chariot de là. Je vous l'avais bien dit. J'espère que ce docteur aura ce qu'il faut contre les tours de rein. Salut, je viens pour remplacer deux chez vous.
Allez, vas-y, Jolie, on est presque tiré de là. Une nuance, mon cher, je suis tiré de là. Et je vous tire ma révérence avec votre cheval. Ma plus sincère reconnaissance pour votre aide généreuse. Au nom d'un chien, ce bon vieux Jolie, je me suis fait avoir. Ce docteur Doxey est la honte de la profession médicale. J'espère qu'il y aura des chevaux à louer à Green Valley. Il y a vraiment des jours comme ça où tout va mal. Oh, la barbe! Mais quoi? Que vois-je? Lucky Luke en promenade! Je crois que je vais lui sauter dans les bras! J'oublie toujours que les bras sont devant. Oh, il manquait plus que ça. Non seulement j'ai perdu Jolly, mais encore j'ai Rentenplant sur le dos maintenant. On dirait une ville fantôme, Rentenplant. Enfin, ville fantôme ou pas, il me faut un cheval pour rattraper ce bandit Docteur Doxey. Attention! Mais vous n'êtes pas le docteur Doxey? Mais non, je m'appelle Lucky Luke et vous êtes... vert. On ne peut plus vert grâce à l'élixir de ce docteur Doxey. Tout Green Valley est vert. Ouais, je le vois bien. Chouette, quelle ville pittoresque. Au fait, moi aussi je cherche ce bon docteur Doxey. Il a filé avec mon cheval. Viens, cheval à louer. Merci beaucoup. Il est vert. Vous n'auriez pas une autre couleur? J'ai jamais aimé le vert. J'ai eu tort de lui donner le remède de Doxey, mais ça va passer. Faudra que je m'y habitue. Au revoir. Si vous trouvez Doxey, transmettez-lui notre message. Avec plaisir. Lequel? Ça! Je lui transmettrai. C'était du gâteau de suivre la trace de Doxey de ville en ville. Nous nous rapprochons, les habitants sont de plus en plus verts. Aucun doute, dans la petite ville de Mesquite Town, j'entendais une voix familière. Ah oui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la plus grande découverte scientifique de notre siècle, le remède miracle du docteur Doxey. Y a-t-il un volontaire parmi vous à l'emmonter? Pas moi, j'ai une santé de cheval. Ce sont de telles vantardises qui nous donnent une mauvaise réputation. Laissez-moi passer, franuquet, je vais essayer ce truc. J'ai déjà tout essayé, rien ne marche. Soyez sans crainte, votre santé se trouve dans cette bouteille. Oh, merci, mon bon, mon cher, mon dévoué, mon... N'en rajoute pas, Scraggy, et bois cette limonade. C'est vrai, mais ça passe. Je me sens libre comme l'air. Quelle force, quelle vigueur! Je me sens aussi alerte qu'une petite libellule! Ya 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 ya! Oh là! Eh oui! C'est merveilleux! Stupéfiant! Incroyable! Fantastique! Yahoo! Yeah! I mean, oh! Attention! Je crois que Doxey va avoir besoin de son propre médicament. Y'a quelque chose de louche là-dessous. Oh! Hey! Mais c'est pas une femme! Ce type n'est pas un médecin! Les gens ne semblent guère disposés à accepter ma merveille médicale. Foncez vers le chariot, Doc! Oui! Doc, regardez! Notre cheval est vert! Et nous serons couverts de bleu si nous ne filons pas d'ici. Je crois que ce charlatan a compris la leçon. Il a décampé pour de bon. Il était temps que Luc vienne à mon secours. J'ai cru que j'allais tirer ce chariot pendant tout l'épisode. J'aurais dû me douter qu'un escroc comme le docteur Doxey allait récidiver. Pourquoi s'arrête-t-on ici, Doc? J'ai besoin d'eau pour préparer l'élixir qui soulagera l'humanité souffrante. Dès maintenant, les bonnes gens de Nugget Valley attendent ma venue. Nugget Valley? Mais nous ne pouvons pas y retourner. Le shérif Artek nous a chassés l'année dernière. Alors, ils ont besoin de nous plus que jamais. Je braverai tous les dangers pour porter mon remède miracle à ces pauvres riches. Berk, quelle horreur! Docteur, faites attention, on dirait que ce bidule va exploser. Bien vu, mon cher Scraggy, écarte-toi vite!
Mais Doc, cette explosion va attirer Sheriff Artak. Mais j'y compte bien. Oh, on dirait une explosion. Je ferais bien d'y aller voir. Docteur Doxé, j'aurais dû m'en douter. Je vous ai déjà dit de déguerpir la nuit dernière. Et maintenant, je vous y reprends. C'est plutôt moi qui vous y prends. Artak. Mais c'est une voie de fait contre un représentant de la loi. Votre plan a réussi, Doc. Lorsque je suis arrivé à Nugget Valley pour voir mon vieil ami le shérif Artak, j'étais loin de me douter qu'il avait disparu depuis 2 jours. Y a quelqu'un? Votre temps, monsieur. Le shérif est absent depuis 2 jours. Je suis très inquiète. Vraiment, madame, je m'appelle Lucky Luke. Pourquoi ce petit chien porte-t-il un manteau de fourrure par cette chaleur? Je vais le suivre. Approchez-vous tous, bonnes gens de Nugget Valley. L'argent peut-il acheter le bonheur, mesdames et messieurs? La réponse est oui. Grâce au remède miracle du docteur Doxé, vous retrouverez vos 20 ans pour seulement 5 $ la bouteille, 2 bouteilles pour 12 dollars. Moi qui croyais ne plus jamais entendre ce baratin. Ça alors, si ce n'est pas encore ce charlatan, si mon ami le shérif était là, il le chasserait de la ville. J'ai comme une idée que la présence de Doxé a quelque chose à voir avec la disparition de mon ami. Mais où est passé ce petit chien? J'en prends 3 douzaines, s'il vous plaît, donnez-moi une caisse. Loin du calme, ne poussez pas, je vous assure qu'il y en aura absolument pour tout le monde. Oui, mes amis, vous faites un bon investissement en achetant le miraculeux remontant du docteur Doxé. Et vous aurez... Eh bien, le docteur a besoin d'un remontant. Faites... Non! Ah, mais ce truc est une infection! Il ne faut pas le boire! Il faut juste le vendre! Et puis, vous voyez comme ça m'a remonté! Et cela peut vous faire la même chose! Allons, revenez! Ah, je vois qu'il y a au moins une personne dans cette ville qui cherche le secret de la bonne santé. Non, je cherche le shérif Artak. Oh, quel dommage qu'il ait disparu avec tout cet or que je lui ai confié. De l'or? Ah, votre histoire m'a touché, l'ami. Prenez donc cette bouteille avec mes compliments. Oh, zut! J'ai perdu le chien à fourrure et maintenant je ne retrouve plus Lucky Luke. Ici, Jolly. Fidèle monture. Alors là, je ne comprends plus. Je l'entends, je le sens, mais je ne le vois pas. Allez, viens, Rentemplant. Nous avons de la route à faire. Si Doxé croyait à mon histoire d'or, et s'il savait où était le shérif, il me suffisait de le suivre pour retrouver mon vieil ami. Je crois que ce coyote va me mener à lui. Ça y est, j'ai trouvé. C'est le papa de Lucky Luke. Parlez, shérif. Où est l'or que vous transportez? De quoi parlez-vous? Vous êtes complètement fou. Je ne suis pas fou, je suis Doxé. Et moi, je suis Lucky Luke. Luke, qu'est-ce que tu fais par ici? Je viens capturer 2 charlatans. Chat? Il a bien dit 2 chats? Surveille bien ces 2 coyotes, shérif. Ils ne s'évaderont pas d'ici, Luke. Merci pour tout. La moindre des choses. Salut, shérif. Est-ce que le monde peut être ingrat enfermé un bienfaiteur de l'humanité tel que moi? Et tel que moi, donc... La ferme, Scraggy. Oh, shérif, je meurs de soif. Je demande qu'on m'apporte à boire. Charlatan! Et pourquoi pas un peu de ton élixir? Exactement ce que je voulais qu'il fasse. Doc, vous n'allez pas boire ça? N'est-ce pas ridicule, mon garçon? Ce remède va nous permettre de sortir de ces lieux sinistres. Cet élixir miracle fait les merveilles. Hein? Suis-moi vers la liberté. Oh, c'est vraiment chouette, nous sommes libres comme l'air. Où allons-nous, Doc? Pas nous, Squaggy. Hélas, il est temps pour nous de nous séparer. Bonne chance, mon garçon. Je t'ai appris tout ce que j'ai pu. Oh, Doc, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi seulement adieu avant que je n'aie les larmes aux yeux.
Oh, l'imbécile, il lui reste encore une petite leçon à prendre. N'avoir jamais confiance en personne. Un prisonnier s'est échappé. Sonnez l'alarme. Oh, la fausse docteur. Arrêtez-vous, au nom de la loi. Voilà qui va occuper le shérif pendant ma propre évasion. Oh oui, je suis délicieusement sournois. Après l'évasion du docteur Doxey, je me lançai à sa poursuite et la piste était chaude, très chaude. Nous brûlons le joli. Voici la gourde de Doxey vide, pas une goutte d'eau. Moi aussi, je suis vidé. Ce coyote doit mourir de faim, il mange même les cactus. Oh, il fait chaud, hein? Il y a de quoi décourager un chien fidèle. Est-ce possible? Notre homme doit être à bout. Il boit son propre élixir. La piste de Doxey menait à la ville perdue de Coyoteville. Et c'est là que je perdis sa piste. Pousse-toi de la vieille rosse, que j'étanche ma soif. Ah, ça va mieux. Maintenant, allons vite chez le barbier nous débarrasser de nos quelques poils superflus. Sans barbe ni moustache, personne ne reconnaîtra le célèbre docteur Doxey. Quel beau temps de saison, n'est-ce pas? Je vous en prie, parlez-moi et rasez plus, barbier. Allez, bois, Jolly, pendant que je me renseigne au sujet de Doxey. Ça vous rajeunit de 20 ans, monsieur. Salut la compagnie. Oh. Je recherche un individu dangereux nommé Doxey. L'un de vous l'aurait-il aperçu? Je n'oublie jamais une figure. Et celle-là, je ne l'ai jamais vue. Bon Dieu, mais j'ai vu ce gredin. Il a quitté la ville il y a à peine une heure. Merci bien, l'ami. Mais je vous en prie. En route, Jolly. Toi aussi, rentre en plan. J'ai retrouvé sa trace. S'il continue à sauter comme ça sur mon dos, il me faudra de l'élixir miracle. Je lui souhaite bonne chance. Ça fait 27, c'est pour la barbe, monsieur. Mets-le sur mon compte, l'ami. Je suis le docteur Oxide. Mais... Maintenant que Lucky Luke est lancé sur une fausse piste, je peux reprendre mes activités. Mais comment? Limonade! Demandez une limonade! Un cent, le verre de limonade bien fraîche! Ça y est, j'ai trouvé. Je reprends un commerce qui existe déjà. Une limonade, monsieur? Non, mais je prends le tout. Ah, chouette! Voyons, en tout, vous me devez 50 cents. Mets ça sur mon compte. Son compte? Hey! Mais c'est du vol! Quel escroc! Et maintenant, bonnes gens de Coyoteville, voici l'occasion de mettre un peu de printemps dans votre vie grâce aux rayons de soleil du docteur Oxide. Et pour ma note, docteur? Ah oui, le docteur Oxide n'oublie pas ses dettes. Vous avez droit à une ristourne. Ça vous fait 25 cents. Ce truc a vraiment un goût de limonade. Vous avez raison, mon bon monsieur. Il y a un arôme spécial qui donne un goût plus agréable. J'en prends une. Donnez-moi deux. Voici mon argent. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ce sirop guérit tous les maux, là. Bagot, ongles incarnés. Et même la migraine. $50, pas mal pour une journée de travail. Maintenant, agrandissons notre affaire. L'ennui, c'est qu'ici, il se porte tous à merveille. Ouh, mais je vais y remédier en vitesse. N'ayant pas réussi à rattraper ce maudit Doxey, nous sommes retournés à Coyoteville pour rattraper un peu de sommeil. Allez, fais un petit somme, Jolly. Nous reprendrons nos recherches à l'aube. À l'aube? Mais c'est une heure impossible. Peut-être pleuvra-t-il. Il te faudra dormir dehors en templant. Les chiens ne sont pas admis à l'hôtel. Je ne peux pas vendre de remèdes sans maladie à soigner. Je vais donc créer une petite épidémie à moi. Chut, mon ami bovidé, ça ne te fera aucun mal. Ces chevaux ont maintenant des couleurs originales. Lucky Luke peut dormir tranquille, car nous, chiens de garde, pouvons rester éveillés. Longtemps. La dernière victime de l'épidémie de rougeole de Coyoteville.
Allez, debout, rentemplant. C'est l'heure de se mettre en route. Je suis pas prêt. Bonjour, madame. Oh, oh. Eh bien. Oh, oh, le chien. Je sais que tu n'es pas beau à voir, rentemplant, mais... Mon Dieu, rentemplant, mais tu as la rougeole. Je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve ça chouette. La rougeole? Ce cabot a passé des jours sur mon dos pourvu que je ne l'attrape pas. Oh non, Jolly, toi aussi. Ah bon? Je refuse d'apparaître en public dans cet état. C'est une épidémie. Regardez ma pauvre vache. Et regardez mon coq, mon cochon. Mon Dieu. Ne désespérez pas, bonnes gens de Cueilletteville. Heureusement pour vous, moi, docteur Oxide, j'ai mis au point un remède miracle contre la rougeole. Un coq? Observez bien. Abracadabra, barala, tata, baliba. Ça marche! Mon coq est guéri! Le docteur Oxide ne ment jamais. Je guéris aussi vos vaches, cochons, couvées et les chiens. 10 dollars par tête. Voilà 10 dollars. Oh, ça les vaut bien. Merci, doc. Donnez-moi le temps de préparer un peu plus de potions. D'habitude, je ne fais aucun cas de ce genre de guérisseur, mais la loi du Far West veut que je prenne soin de mes compagnons. Tout cela est très gênant. J'aime bien quelques taches de rousseur, mais ça, c'est exagéré. Ce bonhomme ne m'a jamais donné mes 50 cents. Eh bien, tant pis pour lui. Maintenant, il devra nettoyer son chariot. Satisfaction garantie. Combien pour guérir un cheval et un chien? Je vais vous faire une faveur, fiston. Ce sera 15 dollars seulement pour les deux. C'est gentil à vous, docteur Doxet. J'aurais dû m'en douter. Désolé, bonne chance, je vous pardonne. Ce n'est pas la rougeole, c'est de la peinture. Ce charlatan nous a vendu de la flotte. Et pour 10 dollars, on s'est fait rouler. Ne vous en faites pas. Cet escroc ne m'échappera pas cette fois-ci. J'apprendrai à ce cow-boy qu'on ne plaisante pas avec un homme de science. Je vais arranger ça. Ceci va le guérir une fois pour toutes. J'en ai fini avec ce fouineur de Lucky Luke. Pas tout à fait encore. Mais comment êtes-vous sorti de ce tunnel? Jamais entré. Maintenant, je vous ramène en prison, Doxet. Mais d'abord, ôtez cette peinture rouge de votre figure. Peinture? Ce n'est pas de la peinture, mais j'ai vraiment la rougeole. Ainsi, l'infâme docteur Doxet finit à la prison de Cueilletteville. J'ai dû commettre une erreur. Mais tant qu'il y aura des gens crédules, il y aura des charlatans. Essayez les recettes miraculeuses du docteur Scraggy. Vous ne le regretterez pas. Une bouteille pour un pauvre malade. Pour vous, docteur, tout ce que vous voudrez. Et même je livre à domicile. Tenez, tenez. Oh, quand je pense que c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Ingratitude humaine. Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin, loin de chez lui. Rien ne peut m'empêcher de suivre mes amis. Enfin, presque. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy. Yeah.